Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide, très simple. Un haul bébé mais avec les habits de marque qu'on a acheté avec mon copain ou qu'on a reçu. Il y en a pas beaucoup donc c'est pour ça que ça va aller très très vite. Je pense qu'aussi vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai dû vous montrer quelques trucs aussi. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Donc le premier vêtement de marque, c'est mon copain qui l'a acheté et je vous dis mais... il était hyper fier, il était trop content d'avoir acheté ça, il était trop ému et tout ça, enfin voilà, de toute façon en plus c'est son kiff, il veut habiller son fils un petit peu, pas comme lui, mais voilà, en jogging, pas, vous savez, un petit peu style intello et tout ça, donc lui il veut de la marque, du jogging et tout ça, moi je m'en fous un petit peu, mais... voilà, on s'est très restreint sur tout ce qui était de marque parce que ça coûte très très cher et il va pas les mettre longtemps donc ça sert à rien. Mais ça, il était très très heureux de les acheter parce que lui a les mêmes. Donc c'est des petites baskets Adidas que je vais vous montrer. Elles sont elles sont magnifiques donc je le comprends. Mais bon. Donc voilà, c'est des toutes petites chaussures, donc c'est du 16 je crois, donc il va vraiment pas les mettre longtemps, il va les mettre un mois à peine. C'est du 18, mais voilà, elles sont trop trop belles quand même. Donc voilà. Il était tout fier de lui, je vous explique même pas. Mais voilà, moi je les adore, donc tant mieux. Après, c'est des chaussures encore que nous deux, on a acheté, parce que par rapport au prix... là voilà, on s'est dit bon, moi aussi je vais un petit peu mettre du mien, même si je voulais pas acheter de trucs de marque pour mon fils, je trouvais que ça servait à rien. Mais c'est des petites chaussures Nike, on a gardé la boîte pour le moment. Je vais vous en montrer qu'une paire, elles sont magnifiques. Alors en fait c'est des Air Max, donc on a tous les deux des Air Max, mais blanches, on n'a pas trouvé de blanches, mais celles-là elles sont magnifiques. C'est des bleues, donc voilà, elles sont comme ceci, donc c'est les mêmes que les nôtres en fait, on a tous les deux des Air Max blanches mais en bleu, mais elles sont trop canon. Elles coûtaient 60 euros celles-là, les autres je sais pas, donc voilà, donc pour le coup voilà ce que ça donne. Elles sont trop belles et là on a pris une taille beaucoup plus grosse hein, par contre je crois que c'est du 22, donc normalement il devrait marcher avec. Après le seul souci, et il y en a beaucoup qui nous l'ont dit, c'est qu'en fait c'est pas bien de mettre des chaussures comme ça pour le bébé quand il va apprendre à marcher et tout ça. Et le problème c'est qu'en fait on voulait pas de taille trop de naissance parce qu'on savait qu'il allait pas les mettre longtemps. Donc on s'est dit on va prendre une taille plus grande. Et en fait on nous a dit que le 22 c'était beaucoup trop grand parce qu'il va soit déjà marcher, soit apprendre à marcher avec cette taille là. Donc bon, on s'est dit tant pis, il les mettra très rarement ou quand il saura déjà un petit peu bien marcher. Mais voilà. Après, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Et là, il y a plein de petites choses dedans. Donc du coup, bah, je vais pouvoir vous montrer. Et c'est du 06 mois. Donc voilà, c'est du Nike encore. En fait, c'est un bonnet, des chaussons et un body. Donc hop, déjà pour le body, voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Je kiffe. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, 0-6 mois, on le mettra dès la naissance au moins. On pourra lui mettre le plus possible. Ça, les vêtements, c'est mieux que les chaussures. On pourra lui mettre le plus possible, je pense. Et encore, ça va dépendre. Bon, je rangerai plus tard, c'est pas grave. Je suis trop maniaque. Ensuite, on a le petit bonnet avec le Nike encore. Ça, non, à la maternité, on va pas lui prendre ça. On sait jamais si on le vole, mais bon, et au niveau des petites chaussettes, elles sont comme ceci. Ouais, c'est des chaussettes, chaussons, je sais pas trop. Mais voilà, elles sont trop mignonnes comme ceci. Donc voilà pour ce qui est marque pure et dure, je sais pas trop comment dire. Mais voilà, et ensuite on va avoir un petit body que ma belle-mère a pris, donc Disney. Donc il est avec Mickey. Moi je voulais trop des choses Mickey, vous savez, en plus dans la première vidéo haul bébé, je vous ai montré, on avait pris un biberon Mickey, mon copain voulait prendre aussi des tétines, mais on sait jamais, des fois les bébés n'en prennent pas, donc je lui ai dit à éviter, au pire on en reprendra plus tard. Malheureusement il n'y en avait plus quand on y retournait, mais bon tant pis. Mais voilà à quoi il ressemble pour l'été, c'est parfait, surtout qu'il va naître en pleine chaleur. Donc quand on va partir un petit peu en vacances, je pense que ça sera cool. Et ensuite c'est quelque chose qui n'est pas de marque, parce que voilà, j'ai trouvé ça à Stokomani, mais
On va dire que ça fait penser à de la marque, donc je voulais vous le montrer maintenant. Et j'ai craqué, en plus je l'ai vu par hasard et j'ai vraiment craqué dessus. C'est vraiment le truc qu'il me fallait, que je voulais absolument pour mon fils. Et je prendrai plein de photos avec. C'est deux petits body Superman. Donc là, c'est pas Superman, enfin si c'est Superman, mais c'est voilà. On va dire que ça ressemble un petit peu. Et le deuxième est comme ceci. Je préfère le premier, mais j'ai trop hâte de lui mettre ça. Et par contre, c'est du 1 an, si je me trompe pas, parce que je voulais vraiment pas prendre trop de trucs taille naissance. Voilà, c'est du 12 mois, donc on pourra lui mettre 6 grandes 8, au pire quand il aura 6 mois et tout ça. Mais voilà. Du coup, on peut le dire dans ma famille, enfin dans notre famille, on s'est fait plaisir. Mon copain voulait absolument des choses de marque, donc on l'a fait. J'espère qu'on aura soit un autre garçon après ou une fille, mais dans tous les cas, au moins les chaussures blanches, il pourra les remettre. Mais c'est les seules choses qu'on va acheter de marque. Après, on verra des sous-marques, jogging et tout. Je pense qu'il va pas me faire un caca nerveux si on prend pas de la marque, mais voilà. Mais j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, à commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.